Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de la team Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc 4 boosters hors maximum première édition française. Donc je vous ouvre le paquet et je vous fais découvrir les cartes. Donc là nous avons 4 boosters qui contient chacun 7 cartes. Alors, hop, on ouvre le premier booster. Alors, donc la première carte, nous avons Balade partagée, une petite carte magie. Bon, elle est sympa. Ange déchu, Nasten. Ok, ensuite nous avons Confrérie du Point de Feu, Coyote. Transcodeur bavard. Ensuite, petite carte piège. Je vous montre en même temps. Regardez-moi ça, les amis. Dragon épée Borel. Elle est magnifique. Hop, je vous la montre de plus près. Maison Dragonirène. Voilà. Ensuite, deuxième booster. En gold, le plumeau de Dame Harpie. En carte magie, elle est vraiment très très belle. Objet de sacrifice inutile. Oh, numéro 101. Alors, attendez, parce que je vois pas en même temps. Parce que je vois que au-dessus sur la caméra. Donc numéro 101. Honneur silencieux, Arche. Pas mal. Transcodeur bavard. Il ne peut y en avoir qu'un. Ouh. Dragon fantomatique. Nibiru, l'être primitif. Bah écoutez, pour l'instant, les deux premiers boosters, ils sont pas mal. Ensuite, donc flèche anti-magie. Petite carte magie. Houto, magie dolce. Ensuite, Pélinor, le chevalier noble. Tech Tombor, vitesse roïde. Statue barrière de la sécheresse. Rébellion ange déchu. Ou cuisine dragon Niren. Très joli aussi. Ok. Et on termine avec le dernier booster. Là, je tombe sur une pépite. Dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez celle-ci, mais elle est magnifique. Dragon XYZ de la Rébellion des Ténèbres. Ensuite, formation feu, Gyoku. Buster Blader, maître de l'épée destructrice, perdez un tour, contact ange déchu, statue barrière des abysses. Alors, pour finir ces 4 boosters, Gaïa le dragon champion. Elle est sublime.
Là, je vous le montre sur différentes facettes. Là, vous voyez. Hein. Et du coup, hop, j'ai prévu des petites pochettes. C'est important de les protéger. Donc voilà, après l'ouverture de ces 4 boosters qui contenaient en tout 28 cartes, il y avait de belles pépites. Dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Mais celle-ci, pour moi, dans les 4 boosters, c'était ma préférée. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans la vidéo, de la partager également, mettre un petit commentaire et de vous abonner. Voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo.